Ok les filles, troisième entraînement. Vous avez été nombreuses à me redemander de la corde à sauter. Je vous rappelle que la corde à sauter a quand même un impact sur le périnée, le dos. Donc, si vous avez des problèmes de périnée, si vous venez d'accoucher, si vous avez des problèmes de dos, de genoux, ce n'est pas l'exercice conseillé. On a déjà vu plusieurs exercices cardio. On a vu monter, descendre de la chaise, les squats. Si la chaise est trop haute pour vous, vous pouvez prendre quelque chose de plus bas. Ça peut être aussi simplement monter, descendre des volées d'escalier. Donc aujourd'hui, ça va être plus cardio. On va un petit peu revoir les exercices qu'on a vus la semaine passée. S'ils sont trop difficiles, ceux d'aujourd'hui, vous revenez à la semaine passée. Je vous rappelle que notre échéance était assez courte. On va assez vite. Donc si vous n'avez pas eu trop le temps de travailler les exercices, n'allez pas trop vite. On y va en profondeur. Ok, on s'y met. C'est parti aujourd'hui. On tient. Il faudra de la motivation. Go. 1er exercice, on reprend de la semaine passée, on avait fait avec la chaise devant nous, cette fois-ci sans la chaise. Donc je dégage une jambe bien loin derrière, 90 degrés au genou de devant, je m'appuie sur le genou, le temps de bien ancrer mes pieds. Allonge la colonne, expire, lâche les mains, on maintient. Ok, on remet les mains, remonte. On change de jambe. Et on récupère un peu le souffle. Encore une fois de chaque côté. Essayez de bien laisser ouvrir. Tirez bien le talon vers le sol. Une ligne entre le talon et le sommet du crâne, comme la semaine passée. Et le dernier. Hop, et on remonte. On reprend notre corde à sauter. On a déjà fait 2 séries de cordes à sauter. Aujourd'hui, cardio. On reprend nos flexions de buste. Cette fois-ci, on complique en 3 temps. Premier temps, je m'abaisse comme on a fait la semaine passée. Deuxième temps, je monte les bras. Attention, les épaules ne montent pas vers les oreilles et je ne relâche pas les omoplates. 3, attention au dos. Expire, remonte. Inspire ici. On va faire ça sur tout l'exercice, sur une expiration. Donc, 1, 2, 3. Ok, on fera... Vous ferez 15 répétitions. Comme la fois passée, si vous restez assez bas dans les jambes, ça travaille plus fort les cuisses. Ok, hop, 2, 3. Je vous montre de profil. Donc, mon dos bien droit. 1, le dos. 2, les bras. Je ne lâche pas les omoplates. 3, remonte. Par montée cambrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça vous permet de récupérer votre souffle. Et c'est encore une fois un travail global. 1, 2, 3. Ok, 15 répétitions. Suivant. Okay.
Ok, on passe au gainage. Hop, comme la semaine passée. Donc, on commence avec les orteils retournés, le dos droit. Les deux bras sont bien tendus. J'allonge la colonne, expire, tend les jambes. Soit on reste un petit peu comme ça. Soit on pose les genoux comme la semaine passée. Okay. Cette fois-ci, c'est quand même plus difficile. Donc, on va essayer de rester dans le guetteur. Talons bien en arrière. Les deux bras qui poussent dans le sol. On allonge la colonne. Ok, on tient quelques secondes. Puis, on pose les genoux. Hop, et on revient à nos 5 pompes, comme la semaine passée. Go. 5. 4. 3. 2. 1. Ok. Repos. On tient un petit peu. On fera nos 5 pompes avec les genoux au sol. Gardez tout le temps bien le nombril rentré. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, repos. Comme la semaine passée, 5 séries. Ok. On reprend notre cardio, corde à sauter. Hop, c'est reparti. N'oubliez pas de repenser chaque fois à votre positionnement, le bassin, l'autograndissement, pas lâcher le ventre. Ok, on a déjà bien bossé, on a fait le gainage, la corde à sauter, maintenant un exercice un petit peu plus cool qui va reposer. C'est un cadeau pour la sangle abdominale. Je vous montre. Donc, je pars dans la même position pour faire les guetteurs. Ce ne sera pas du tout le même travail. Ça, en fait, c'est une figure de yoga qui s'appelle chien tête en bas. Alors, je vais essayer de garder mon ventre très près des cuisses. Cette fois-ci, je ne vais pas aller vers l'avant. Je vais monter les ischions vers le plafond. J'essaie de rester bien plié en deux. Expire, monte. Alors, le but n'est pas tout de suite de retendre les jambes et de risquer d'avoir le dos qui part en avant. On y va encore une fois progressivement. Je pousse les talons vers le sol, mais surtout j'essaie de garder mon dos droit, ok, pas être bossu. Et il faut que vous sentiez vraiment un relâchement ici au niveau du ventre. On a l'impression que le ventre est tout creux. Okay, donc ça c'est super bon, vu qu'on vient de faire quand même un exercice à impact. Là ici c'est une vraie détente. Okay. Ça n'empêche, vous pouvez bosser votre souplesse. Donc essayez de descendre les talons vers le sol, d'approcher le ventre des cuisses, bien pousser les mains dans le sol. Okay, puis on redescend, comme si on allait revenir à quatre pattes. On se remet la tête des épaules, je redescends mes épaules. Petite pause éventuellement avant de reposer les genoux. Hop, et je reprends, expire, monte les ischions vers le plafond. Hop. On reste un petit peu. On peut le faire facilement 4-5 fois. Prenez le temps, apprenez à l'aimer. Celui-là, c'est vraiment un vrai cadeau pour votre corps. Ok, les exercices aujourd'hui, c'était pas mal cardio. Je vais montrer maintenant un petit enchaînement que vous pourriez faire. Donc, rien ne vous empêche de mêler avec le cardio comme on a fait ou de faire une partie cardio et puis le petit enchaînement. Donc, on va partir de cette position-là. On combine un petit peu ce qu'on a déjà vu. Ok, je m'y mets. Les jambes, guetteur, travail abdominal. De là, on tient un petit peu. Talons en arrière, les deux bras qui poussent dans le sol. Pensez à votre dos, vos abdos. Toujours ça, gardez le ventre rentré. Je respire dans le bas de mes côtes. Respiration costale basse. Ok, je pose les genoux. On fait les pompes ou pas. Par contre, je vais vous montrer un petit exercice que j'adore. Je pars de mon guetteur et je monte les fesses vers le plafond. Donc, chien tête en bas. Là, mes élèves vont bien reconnaître cet exercice-là. C'est un exercice qui va solliciter beaucoup vos triceps. A priori, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont envie de muscler leurs triceps. Ok, donc, je vais fléchir les bras comme si je voulais mettre la tête au sol. Je fléchis. Pour le moment, j'ai toujours le ventre relâché. Okay. Après, j'imagine que je vais mettre mon nez au sol. Là, maintenant, je vais commencer à retravailler abdominal. Expire, garde le ventre rentré, pousse les bras. Et on remonte. Okay, bon là je l'ai fait lentement.
On imagine qu'on veut passer en dessous d'une petite barre. Donc, plie les bras. Expire sur tout le travail. Je reviens. La détente. Et on reprend. Ok, avec ce travail-là, bon, vous avez la détente abdominale, la souplesse, chaîne postérieure, le travail des triceps. Et on reprend. Biceps aussi, pectos. C'est complet. On peut aussi combiner avec l'autre exercice qu'on a vu tout à l'heure. Allez mettre le pied là devant. Une main vient chercher le genou arrière. J'avance. J'essaye d'avoir 90 degrés dans mon genou. Talon bien en arrière. Hop. Je reviens. On lâche les bras. On repose. Expire, dégage la jambe. Hop. Pareil de l'autre côté. Ah, et bien la souplesse aussi. Hein. Et on relâche. Et on termine. Comme si on voulait se mettre à quatre pattes. On attend, on pousse bien les bras dans le sol, on allonge la colonne. Attention à votre dos. Hein. Bien droit. On repose. Voilà les filles. Là, on a bien travaillé du cardio, du renforcement musculaire. Aujourd'hui, on a un petit peu plus travaillé au niveau des bras. On n'a pas oublié les abdos. J'espère que vous penserez tout le temps à votre posture. N'oubliez pas que ce n'est pas en une fois que ça va se faire. Ce n'est pas en une fois peut-être qu'on réussit. Il faut être motivé, continuer, persévérer. Si vous avez besoin de moi, vous me trouvez. Encore une fois, essayez de faire ça entre copines. Ce sera peut-être bien motivant. Ok, je compte sur vous pour me retrouver la semaine prochaine. Bon travail, bonne semaine. Ciao.